crois, André, les souvenirs que nous avons gardés de lui en tant qu'humain, c'est des souvenirs vraiment édifiants. André ne s'énerve pas pour te parler. Déjà, même à le regarder dans sa photo, on sent que c'est quelqu'un qui rit tout le temps, qui sourit tout le temps. Je me rappelle, on a eu beaucoup de moments difficiles à Dimé, au moment où j'avais décidé de m'enfuir. Il était le premier à qui je m'étais confié. Il m'a dit, mais Ro, ne le fais pas. Garde ton calme. J'ai résisté un peu, mais après j'ai compris que mon chemin n'était pas là. Je suis parti tranquillement. Dieu merci. On a gardé le contact. Et je crois, quelques jours avant mon mariage, il n'était pas au pays. Mais j'ai cherché son numéro pour quand même lui annoncer que je devais me marier. Et puis non, plus rien. C'est après, bien plus tard, qu'on s'est retrouvés à Cotonou, où on a discuté un petit moment. Et puis voilà, André, je me dis, en moi, André ne peut pas mourir. C'est sûr, pour moi, il n'est pas mort, il ne peut même pas mourir. André a marqué tout le monde dans le pays, et il plaise au ciel que de là-haut, il veille sur sa maman, et qu'il veille également sur les gens qui lui sont chers, à qui un jour, il a porté un coup de main grâce à peut-être un coup de fil ou une parole directe. André a marqué toute la communauté béninoise. Les coprêtres qui sont en train de suivre ses traces, qui n'aient pas peur. Mais vous devez toujours vous parer de plus beaux habits de guerrier pour, un peu comme les militaires, aller à la guerre. Vous partez à la guerre. Et lui, la guerre qu'il faisait, évidemment. Il était un communicateur. Vous avez vu toute la trame, sinon tout ce que l'évêque a retracé sur sa vie. C'est vrai. Monseigneur Adoukounou Barthélémy était notre recteur au séminaire Saint-Paul de Djimin. Mais on se dit, mais comment il a pu piocher André et tous les matins, est-ce qu'il lui avait remis un poste radio? On ne comprenait rien. Mais c'est lui qui donnait les informations de partout. On était dans un coin, enfin le séminaire était un peu comme fermé à tout le monde, mais on avait les informations. André nous écrivait les titres et il faisait quelques petits résumés de chaque titre qui pouvait quand même paraître un peu intéressant pour nous, séminaristes que nous étions. Il a été, comme l'a dit Monseigneur Adoukounou, un soldat qui est mort au front. Il est mort plume à la main. C'est ce que je retiens de lui. J'ai dit tout simplement, paix à son âme. Dans la ville où tu t'en vas, nul n'a plus de cœur de pierre. Les eaux qui t'ont sauvé t'emportent vers le Père. Nous te disons adieu, mais c'est